élèves de sixième année, les élèves de l'établissement de Daibouni pour l'enseignement privé Afnidak. Soyez nombreux à suivre vos cours sur la chaîne YouTube Préservée pour l'enseignement à distance ou SSL de Daibouni pour l'enseignement à distance. C'est toujours avec vous, votre encadrant, votre enseignant, Mohamed Sadouk. Alors, une nouvelle séance, évaluation et remédiation préservée pour votre niveau, alors les sixièmes années, pour rester en contact et en liaison avec l'enseignement et pour mieux améliorer vos connaissances. Maintenant, on va passer pour voir la présentation du travail qu'on va effectuer pour cette séance. Alors, le premier coup, bien sûr, c'est toujours le texte. Je vais vous lire le texte. Autrefois, les grands-mères racontaient des belles histoires et les enfants écoutaient bouche bée. Quand l'histoire était finie, ils disaient encore, encore. Maintenant, on n'a plus le temps de raconter des histoires petit en petit, mais on trouve des magazines, des cassettes, des disques compacts ou sans enregistrer les contes d'autrefois. Bien tranquilles dans leur chambre, les enfants éprouvent du plaisir à écouter cette voix qui commence ainsi. Elle était une fois. Voilà, c'est notre texte. Alors, pour le terme bouche bée, ça veut dire bouche fermée, pour mieux expliquer les choses. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir la partie compréhension du texte. Alors, la première question donne un titre au texte. Deuxième question, qui sont les personnages de ce texte? Troisième question, quel est le type de ce texte? Quatrième question, de combien de paragraphes est composé le texte? Jusqu'ici, je crois que les questions sont claires, c'est pas la peine de détailler. Cinquième question, par quelle expression commence un conte? Alors, dans les contes, il y a toujours des expressions qui sont bien connues, dans lesquelles on les utilise pour commencer un conte. Sixième question, est-ce qu'on raconte des histoires aujourd'hui aux enfants? Alors, vous allez, dans cette question, vous allez donner votre opinion, parce que de nos jours, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on utilise la même méthode? Alors, les grands-mères racontent encore des histoires à leurs petits-enfants, ou il y a quelque chose de nouveau qui a changé cette habitude? Maintenant, on va passer pour voir la grammaire. Alors, première question, pose la question d'une autre façon. Cette histoire est réelle. Alors cette phrase, on va la poser d'une autre façon, soit par inversion sujet, soit par est-ce que. Alors, deuxième question, relève du texte. Alors, on va revenir au texte pour relever un CCL. Seulement le CCL. Troisième question, rédige une phrase impérative qui exprime un conseil. Alors, il est très, très, très important de respecter la consigne. Alors, la phrase rédigée, il doit exprimer un conseil et il doit être une phrase impérative. Troisième question du grammaire, et la dernière bien sûr, souligne le COD dans la phrase suivante. Alors, on va souligner seulement le COD. Maintenant, on va passer pour voir la partie conjugaison. Alors, conjugaison, il, elle racontait. Alors, c'est un verbe qui n'est pas conjugué, il est entre parenthèses. Des histoires. Alors, ce verbe-là, on va le conjuguer à l'imparfait. Deuxième phrase, tu nettoyais la chambre chaque jour. Alors, le verbe nettoyer, on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Ahmed, il est dans la troisième phrase, allez rendre visite à la grand-mère. Alors, on doit conjuguer ce verbe, le verbe aller, bien sûr, au futur simple. Dernière phrase, les enfants avoir tous des cadeaux. Alors,
On va conjuguer le verbe avoir, bien sûr, il met entre parenthèses, au passé composé. Et maintenant, on va passer pour voir l'orthographe. Alors, dans la partie orthographe, pour la première question, complète par ce ou ce. Alors, ce sont des homonymes. Alors, il y a deux espaces vides à remplir. Deuxième question, écrit en lettres. Ce magazine contient 17 contes et 25 blagues. Alors, on va écrire en lettres le numéro 17 et le numéro 25, bien sûr. Troisième et dernière question d'orthographe, écrit 4 mots avec les différents graphies du son K. Alors, on va écrire 4 mots qui contiennent le son K, bien sûr, mais de différentes manières. On a vu que le son K, il y a le CC, il y a le K, il y a le culant. Et il y a le CH, il y a le CK, etc. Alors, vous allez écrire 4 mots qui contiennent le son K, mais il faut que ce soit de différentes graphies. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir la partie lexique. Voilà, effectivement. Première question, donne le synonyme du mot suivant. Le synonyme du mot autrefois. Deuxième question, écrit en toutes lettres la signification des abréviations suivantes. On a dette et on a prep. Alors, vous allez donner la signification des abréviations suivantes. Troisième question et dernière question du lexique, dans deux mots de la même famille de raconter. Alors, on doit faire sortir deux mots de la même famille que raconter, que le verbe raconter. Et on a le choix d'utiliser les mots de la même famille qui peuvent être intégrés, mais on n'est pas accablé par certains mots. Alors, seulement, il faut sauvegarder et respecter le radical. Maintenant, on va passer à la dernière étape ou l'étape finale, bien sûr. Expression écrite. Voilà, remets en ordre les phrases, les paragraphes suivants pour obtenir un texte cohérent, bien sûr. Alors, la première phrase, on traverse tout un pays en 3 à 4 heures, à 4 heures. Deuxième question, pour parcourir une distance de 26 km, il passait toute une journée. Autrefois, les hommes voyageaient à dos d'animaux. Actuellement, grâce aux moyens de transport modernes. Alors, vous allez les ranger pour obtenir un texte cohérent, mes chers élèves. Jusqu'ici, je vais vous dire au revoir à la séance prochaine. On va se retrouver bien sûr sur notre groupe WhatsApp pour effectuer le travail demandé et pour bien sûr faire la correction d'une manière collective. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. Je...